Oui. Bonjour Karine. Donc Bonjour Anne. merci de partir, de participer. Et je sais que c'est difficile pour toi parce que c'est douloureux à ce défi. Un jour, une question. Donc voilà, pose-moi ta question. Ben, la question, c'est la suivante. Voilà, mon partenaire, donc le père de mon fils, a décrété un mois et demi après la naissance qu'il ne voulait plus de relations particulières. Hein. Et donc, je me retrouve seule avec l'enfant, sachant qu'il ne veut plus juste s'occuper de la mère, mais il veut continuer à s'occuper de l'enfant. Et pour moi, trouver cet équilibre de couple parental, c'est très difficile. Oui, merci pour ta question. Malheureusement, j'ai vu si souvent cette configuration dans ma carrière. Le couple qui se défait juste après la naissance et tant de femmes qui, du coup, élèvent seules l'enfant. Comme on en parlait à l'instant, l'arrivée d'un bébé, c'est-à-dire qu'un couple, c'est deux personnes et l'arrivée d'un enfant, c'est une troisième et du coup, tout l'équilibre, toute la vibration va changer. Et je dis souvent que l'épreuve du couple, même si toi c'était un couple très récent, l'épreuve du couple, c'est l'arrivée de l'enfant. Alors évidemment, j'ai pas les explications, les réponses absolues. Chacun est un cas particulier, mais en tout cas, ça fait revisiter de homme amant, qui suis-je en tant que père? Certainement, c'est pas la même chose si c'est une fille ou un garçon, en fonction de la propre histoire personnelle. En tant que mère, enfin en tant que femme amante, qui suis-je en tant que mère? Si c'est un garçon ou une fille, c'est certainement pas la même chose. Et comment le couple amoureux va survivre au couple parental? À fait. Donc dans ton histoire, c'est alors assez souvent c'est la femme. Je pense majoritairement, mais encore qu'il faudrait. Je peux pas du tout l'affirmer parce que. On pense assez souvent que c'est la mère qui devient amoureuse de son bébé. Ça, je vois assez souvent ces femmes-là, je les vois et qui du coup oublient complètement de se retourner vers le père. C'est dans ces cas-là aussi le père qui ne sait peut-être pas vraiment dire coucou, je suis J'ai là besoin. aussi. Peut-être il veut le faire trop tôt parce qu'effectivement, avant 2 ou 3 mois, c'est pas toujours facile pour la maman d'être disponible aussi à son homme. Mais il y a aussi les cas d'hommes qui fuient complètement parce que une femme, donc la putain, c'est-à-dire au sens du couple sensuel, sexuel, qui va avoir toutes ces caractéristiques qui se manifestent peut-être dans l'amour sexuel, devient mère, et la mère est symboliquement sacrée. Donc pour certains hommes, c'est impossible de toucher à la mère, à cette femme qui est devenue mère, parce qu'on ne touche pas à sa mère. Donc ça crée je pense, des confusions. Je vais te laisser, bien sûr, reposer la question. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime pas beaucoup ces termes femme sacrée, qui sont beaucoup utilisés actuellement, parce que est-ce que quand on est sacré, les hommes viennent vous approcher dans la sexualité et c'est. Ben forcément pas tous les hommes, mais en plus ce qui est terrible dans mon cas en tout cas, c'est qu'il est déjà papa de 3 filles et là c'est le garçon et il doit y avoir une symbolique par rapport à ça, pourquoi il est resté 18 ans avec sa première femme et 3 filles et là il fuit parce que c'est un garçon, enfin parce que je sais rien, c'est une hypothèse, mais en tout cas c'est un garçon et il fuit. Oui, ben, après, sans connaître son histoire, sans que lui vienne exprimer, c'est très difficile d'affirmer quoi que ce soit. Mais bien sûr, c'est à explorer, ça fait certainement. Tout dans la vie nous arrive, et même certainement pour toi aussi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'il y ait ce rejet? Tout ce qui nous arrive dans la vie est source de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc pour lui, certainement, on te dit qu'il est de la spiritualité, qu'il a l'air de s'être réalisé entre-temps et. Si c'est le cas pour lui, on peut dire tant mieux. Ce qui est étonnant, c'est qu'il t'inclut pas dans cette un homme réalisé. Il a une énergie d'amour autour de lui qui fait que on peut imaginer que tu ne te sentirais pas exclu. Enfin, c'est un petit peu étonnant, bien que je ne puisse pas du tout, comme je ne vois pas, que je vois que toi, je peux rien affirmer. Mais effectivement, on pourrait imaginer qu'il est toujours dans un amour que tu sentirais. J'ai eu un appel. Ouais, voilà, exactement. Il comprend pas pourquoi je réalise, je raisonne pas ou je réagis pas
comme lui réagirait par rapport à sa spiritualité aujourd'hui. C'est-à-dire accueillir, dire oh, bah, c'est mon expérience, merci, je serai plus forte dans 2 mois ou dans 2 ans. Et ça aujourd'hui, même si je sais que ce sera le cas un jour, mais aujourd'hui c'est très difficile et j'ai beaucoup de peine avec ça. Beaucoup. Bah, de toute façon, c'est très difficile parce que on fait un enfant à deux, donc a priori, c'est un support, c'est une force à deux. Et juste après cette expérience de devenir mère, se retrouver seule sur le carreau, ce sont des expériences extrêmement, extrêmement douloureuses, extrêmement douloureuses. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je sais que tu m'as dit que c'était difficile pour toi, mais c'est quand même très important de préserver au maximum le couple parental. Pour l'instant, c'est peut-être extrêmement douloureux, très, tout ce que tu veux, mais malgré tout, ton enfant, il a besoin d'un père et au moins, voilà, œuvrer à ce que cet enfant il puisse voir son père et il puisse, quel que soit le père qu'il est, après l'enfant, il filtre, c'est son compréhension et c'est son chemin à lui. D'un côté, c'est moi qui suis allée le rechercher au mois de juillet parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, on s'était plus ou moins séparés. Je suis allée le rechercher en disant « je veux que cet enfant, il ait un père ». Donc du coup, il a reconnu l'enfant et il était heureux comme tout de reconnaître l'enfant. En même temps, aujourd'hui, ce couple parental, pour moi, c'est très difficile d'être dans la même pièce que lui et de jouer au papa, ouais, entre guillemets, de jouer au papa et à la maman, sachant que derrière, pour moi, dans ma fonctionnalité, dans ma façon de voir les choses, le papa et la maman sont en couple ou alors ils sont pas. Et c'est très difficile pour moi de faire, entre guillemets, de faire semblant. Aujourd'hui. Alors, quand je parle, Karine, quand je parle de couple parental, c'est pas forcément être ensemble. Mais c'est-à-dire que l'enfant a un père et une mère et il voit son père comme il voit sa mère. Voilà, c'est ça. C'est peut-être la solution, c'est que ça ne se fasse pas ensemble. Tout à fait, oui, voilà, mais le problème, c'est que c'est un bébé de 3 mois et demi, bientôt 4 mois, et moi, aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas être avec mon enfant, enfin, je lui laisse, il a déjà passé des week-ends avec son fils, mais c'est difficile pour moi, et puis, d'un autre côté, je me dis, il y a des choses que je voudrais qu'on partage, tu vois, de voir son évolution, de regarder l'enfant grandir ensemble, et ça, pour moi, c'est encore difficile. Bah, écoute, je te remercie pour ton témoignage, Karine. C'est évident que c'est très, 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 très difficile à traverser. Hein. Donc, bah, tu sais où trouver de l'aide. C'est bien de te faire accompagner. Ça demande du temps. Ça demande que tu aies ce courage-là de traverser ça. C'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve. Donc, je te remercie beaucoup pour cette question. Je ne sais plus si c'est la 9e. Je crois que ça sera la 9e. Ça sera posté... dans quelques jours, enfin en tout cas pour ceux qui vont la voir, ben voilà. Et merci à tout le monde si vous nous écoutez. Merci à toi Karine de contribuer. Merci. Anne, merci femme, beaucoup, Anne. Sage-femme. À bientôt.